Salut tout le monde, bienvenue à une autre capsule de Folle Bestiole. Aujourd'hui, un sujet très intéressant, les amphibiens qui se déplacent les soirs de pluie. Au printemps. Au printemps. On va aller se promener en auto et puis on va inventorier des routes bordées de forêts où il y a beaucoup d'amphibiens. Puis ce que peu de gens savent, en fait, c'est que les amphibiens vont se déplacer le soir, plus quand il pleut, comme ce soir. Dans le fond, on a les conditions idéales. Les amphibiens, qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'ils sont tellement petits que quand on est en auto, c'est pas comme un chevreuil, là. On les voit pas. Donc, il y a énormément de mortalité routière que les amphibiens subissent. Vous avez peut-être déjà écrasé des amphibiens sans le savoir. Fait qu'on va, comme Jeff disait, les inventorier d'une part, puis d'autre part, quand on arrive à temps, on peut les tasser justement pour qu'ils évitent de se faire frapper. Donc, on les remet dans la forêt pour qu'ils puissent aller à leur étang se reproduire. Eh oui. Puis ce genre de données-là, nous, on note tout ce qu'on voit, évidemment. On fait toujours ça. Puis ce genre de données-là peut servir, dans certains cas, à poser des actions, faire des aménagements ou autres pour justement éviter ou diminuer les mortalités dans certains secteurs. Quand il y a des endroits là, problématiques. Fait qu'on va vous amener avec nous. On va aller vivre une belle expérience sous la pluie. Allons-y. Ha 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 ha!